On est parti pour un solotage du Golden Palace, donc le, le boss qui s'appelle exactement des du personnel. On est sur l'île horrifique donc pendant, pendant les, la période d'Halloween euh, sur, sur The Fuse Touch on va, on va pouvoir réaliser ce donjon. Donc honnêtement, je suis parti sur mon crat donc Krater, euh, je pense que honnêtement le boss est plutôt... Plutôt simple, on va dire. Euh, c'est assez long quand même. Vous allez voir que la stratégie est assez long. Moi, j'ai mis, j'ai mis 20 minutes. Voilà. Euh, first try. Je me suis juste renté, renseigné un petit peu euh, de qu'est-ce qu'il fallait faire parce qu'en fait, le boss, il, il possède un état invulnérable. Euh, je me suis juste renseigné un tout petit peu. Donc, ce qu'on fait pour commencer, on clean les deux autres, euh, les deux autres monstres qui sont avec lui. Pour information, le boss, c'est dans ce donjon, il n'y a que le boss en fait. Il n'y a que la salle du boss. Euh, et dedans, ils sont trois. Voilà, il, y a, il y a les trois monstres. Il n'y a aucune autre salle avant. Et ils sont que 3. Donc regardez, on va, on va tuer rapidement les deux, les deux monstres qui accompagnaient le boss. Et après, le boss, il met deux invocations. Euh, vous allez voir en fait, c'est les invocations qui vont euh, faire perdre des résistances au boss. Parce que le boss, sinon, il a 130% de résistance dans tous les éléments. Donc on ne peut pas lui faire de dégâts. Et après, vous allez comprendre un petit peu comment on lui fait perdre du coup bah, son invulnérabilité. Et on lui fait perdre. Euh, des résistances. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de tuer la, la chauve-souris. Je vais me décaler juste ici. Voilà. Euh, donc ça, c'est fait. Allez, désormais, c'est parti. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Euh, donc déjà, en fait, le boss, à chaque fois qu'il qu se transpose avec un de ses alliés, c'est ça qui le rend invulnérable. Et euh, vu qu'il joue avant nous, bah forcément, dès qu'il va se transposer avec un allié à lui, il va se rendre invulnérable. C'est pour ça qu'avec euh, le Kra, je suis parti sur le Kra. Quand on fait dernier bastion et flèche punitive sur le, le boss, ça va le rendre en état indéplaçable pendant un tour. Donc, déjà, le tour d'après, on sait qu'il ne pourra pas être invulnérable. Mais par contre, pour pouvoir le taper, il faudra qu'il ait perdu des résistances, parce que sinon, il a 130% de résistance. Autre chose à savoir, c'est que quand on tape. Euh, n'importe quel type de monstre dans ce donjon tous les autres monstres autour sont attirés d'une case dans sa direction euh, regardez je sais pas si, si vous allez si vous allez y voir euh, alors là ça marche peut-être pas avec euh, avec les, les flèches euh, faut peut-être faire des dégâts directs honnêtement ça marche peut-être pas avec les flèches euh, merde je me rappelle plus le nom de la flèche, flèche harcelante excusez-moi, ensuite euh, donc en gros voilà il y a plusieurs stratégies, une fois qu'on a rendu le boss hein, indéplaçable bah, du coup il va pas pouvoir se rendre invulnérable et donc les, les espèces de ghouls qui sont avec lui en fait bah, vous allez voir quand ils vont aller taper autour de lui ça va lui faire perdre des résistances donc là en fait il a perdu quelques résistances mais en fait il a encore 90% euh, donc franchement je vais pas lui faire énormément de dégâts mais c'est pas grave, du coup je commence un petit peu à comprendre la stratégie à mettre en place. Donc à savoir que euh, le boss a 5 PM, donc déjà, si on arrive à le mettre à plus de 5 PM de euh, ses alliés, et ben, il ne va pas pouvoir justement se transposer, parce qu'il se transpose qu'à partir du moment où il est au corps à corps. Donc c'est soit vous arrivez à tenir euh, le boss à plus de 5 euh, de portée, de ses deux autres compagnons. Là, regardez, je l'ai mis à plus de 5. Donc au final, il n'a pas pu euh, aller faire le, euh, la transposition. Et il n'a pas réussi à, à, se, à se rendre invulnérable. Et du coup, les monstres qui étaient autour de lui, ils ont lancé des sorts. Et là, il a perdu ses résistances. Donc en fait, voilà, ça va, ça va consister à ça. Après euh, honnêtement ils tapent que euh, au corps à corps euh, je crois. Donc euh, franchement on est plutôt tranquille. Regardez, ça fait déjà 16 tours euh, que ça dure. Et euh, ils m'ont encore jamais tapé. Donc euh, franchement c'est super simple. Je ne suis qu'un cra, hein. J'ai pas... voilà, un peu de mobilité, mais je ne suis pas non plus pas, pas abusé non plus. Euh, je ne suis pas comme un inutrophe qui se donne des PM, etc. Donc c'est plutôt plutôt simple. Donc voilà, je vais mettre deux, deux stratégies en place. Je vais faire le plus souvent possible euh, le dernier bastion avec la flèche punitive pour euh, le rendre en état euh, indéplaçable et euh, là regardez je le mets à plus de 5 euh, plus de 5 pm euh, de ses de ses alliés du coup bah, il va pas pouvoir aller euh, faire son euh, son invulnérabilité mais les deux les deux invocations elles sont pas allées le taper donc euh, les invocations en fait elles ont une ia un petit peu folle entre guillemets c'est qu'elles font un petit peu ce qu'elles veulent donc un coup elles vont aller taper un coup elles vont pas aller taper voilà c'est vrai que c'est un petit peu euh, ça qui est chiant et ce qui va faire que ça va être long. Et là, regardez, on arrive à mettre des gros gros dégâts parce qu'il a perdu énormément de résistance. Euh, de mémoire, il était à moins, moins 50%, je crois, quasiment. Donc on, là, on, a, on lui a fait un gros gros tour, on l'a mis, mis mid-life déjà. Et après euh, ils arrivent à se soigner un petit peu mais j'ai pas trop trop compris la mécanique euh, honnêtement je n'ai pas été embêté avec le soin voilà pas du tout même donc là bah, du coup vu qu'on lui a fait une flèche punitive juste avant et eh ben forcément il a euh, il, il était voilà il pouvait pas se transposer avec ses alliés donc du coup bah, on a pu le taper quasiment deux tours de suite et ce qui fait qu'il est quasiment à deux tiers de, de sa vie là ce qu'on fait on va essayer de le mettre au plus loin euh, de, du collègue qui est avec lui. Ah bon, voilà, du coup, il a, il a fait une invocation et après il s'est transposé, donc forcément il était un Mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Donc avec cratère, franchement, j'ai pas du tout pinaillé. Euh, j'ai mis, voilà, honnêtement, j'ai mis, mis 20 minutes, là, le combat il est en x2. Donc franchement, ça va. Hein. Quand j'étais sur la salle, je regardais un petit peu le, les spectateurs, il y en a qui étaient à une heure de combat. Hein. Une heure de combat, je vous dis que, voilà, c'est assez chiant, honnêtement. Donc là, franchement, voilà, 20 minutes, tranquille, sachant que je connaissais pas trop, trop la stratégie. C'est la première fois que je fais le donjon, honnêtement. Donc voilà, honnêtement, je pense que si je reviens le faire, j'arriverai à le faire beaucoup plus vite. Je ne saurais pas trop vous dire quelle classe euh, est le mieux pour faire, pour faire ce, ce donjon, bien que toutes les classes qui peuvent rendre indéplaçables les adversaires auront un petit avantage, honnêtement. Donc voilà, d'où do, do ma sortie du, du cratère. Mais de toute façon, bah, euh, voilà, je pense que c'est réalisable avec n'importe quelle classe. À partir du moment où le boss, en fait, il ne peut pas nous faire de dégâts à distance. Donc c'est très facile de, de, le tenir, euh, de le tenir loin. Euh, il y a à peu près toutes les classes qui, qui ont des sorts de repousse ou alors des sorts de, de mobilité. Donc c'est vrai qu'au final, ça va être assez simple quand même. Euh, de le tenir à distance et de ne pas se faire taper et de ne pas mourir tout simplement. Là regardez, on est, on est à 28 tours de jeu, j'ai encore pris aucun dégât. Donc euh, voilà, c'est pour c vous dire, et encore je fais pas trop attention, je, voilà, je, me, je me déplace juste. Après je vous conseille d'avoir 6 PM quand même, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de mobilité. Et après si vous voulez savoir le stuff, euh, je suis tout simplement sur une colosso lunaire vraiment très standard. Donc je suis en 12 PA, euh, 6 PM, 6 PO. Les 6 PO ne sont pas forcément utiles parce que vous voyez que la map est pas hyper grande. Euh, là je mets... Je, voilà, je... franchement c'est plutôt simple, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si simple. Euh, c'est quelqu'un sur Discord là, qui m'a dit, bah, attends pourquoi tu n'essayes pas de, de proposer du contenu sur, euh, sur un solotage sur ce donjon, on est en plein dans le thème, on est en plein dans Halloween. Euh, je lui ai dit, bon, ouais, je ne connais pas du tout, mais je vais, je vais me renseigner. Euh, et puis au final, voilà, j'ai vu qu'avec un cras c'était possible. En ce moment, bah, je, vu que je suis, je suis sur le KRA, là, je, je suis en train un petit peu de, de mettre mes stuffs à jour. Donc c'est pour ça que je me suis permis de, de tenter ça avec une colosso lunaire. Et ça passe très très bien. Regardez, donc là il est... On n'arrive plus trop à lui faire de dégâts là, depuis quelques tours. Euh, voilà, c'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a des monstres, elle est un petit peu bizarre. Donc tout à l'heure, bah, euh, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il avait moins 50% de résistance. Euh, donc j'ai fait un gros gros tour, j'avais la punitive qui était dispo et tout. Euh, mais là, voilà, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais aller faire juste ça. Euh, et puis allez, je vais, je vais me redécaler un petit peu. Peut-être qu'ils vont venir me, me taper. Là, je ne sais pas du tout. Euh, donc lui, voilà, ils viennent me taper. En fait, s'ils euh, sont en ligne avec vous, ils doivent, ils doivent réussir à, à rush à votre corps à corps. Le truc, c'est qu'ils n'ont que 2 PM les invocations, donc franchement, c'est plutôt facile. Et là, euh, j'ai une, une opportunité. Regardez, j'ai pu, pu remettre quelques dégâts, donc c'est pas mal. Et puis là, bah, si on arrive à, à avoir un tour où il n'a plus de résistance, bah, on, va, on va réussir à finir le combat. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, je peux, je peux tenter de, de faire du solotage avec d'autres classes. N'hésitez pas en commentaire à, à me dire bah, vas-y, j'aimerais bien que tu avec telle ou telle classe. Ça, ça, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si toutes les classes peuvent le soloter. Euh, je vous présenterai pas malheureusement un solotage sur toutes les classes, j'aurai pas du tout le temps de le faire. Euh, et puis ça serait du contenu, je vais pas faire 15 vidéos, 15 fois la même vidéo, honnêtement. Mais si vraiment en commentaire je vois, euh, voilà, allez, je veux, je veux que tu avec un Yop, s'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui veulent que j'essaye avec, avec telle ou telle classe, voilà, peut-être que je tenterai ça. Euh, dans tous les cas, voilà, j'ai réussi une fois avec mon crash, je, je suis content. Je ne l'ai pas vraiment fait pour avoir le succès hein, parce que je, je m'en fous un petit peu du, du full succès sur Dofus Touch et des succès en général. Mais euh, voilà, là, est-ce que je vais réussir à le taper Je crois qu'il a perdu des résistances. Alors là, je ne peux pas le taper pour le moment. Je vais peut-être faire un dernier bastion euh, plus harcelante. Voilà, harcelante. Là, j'arrive à claquer une euh, punitive. Du coup, ça veut dire qu'il est... Euh, indéplaçable et euh, si ces invocations font pas le con je vais réussir à, à le tuer sûrement ah non là je lui fais pas du tout beaucoup de dégâts allez est-ce que ça va être la fin pour lui non pas encore il lui reste combien Bon il lui reste 97 points de vie. Donc là il vient, même s'il vient me taper, regardez les dégâts sont pas exceptionnels. Hein. Euh, il tape dans l'élément neutre apparemment. L Élément dans lequel j'ai très peu de résistance, j'ai que 15% et il m'a fait du moins 700. Euh, donc voilà, c'est un donjon qui n'est pas très très compliqué du tout à, euh, à réussir. Là je pense que dans quelques tours, on va réussir à le, le finir. Regardez, je ne comprends pas trop au niveau des régènes. J'ai l'impression qu'il ne peut pas se régénérer hein, le boss. Donc c'est vraiment très très simple de... De, de le réussir. Allez, une flèche punitive afin qu'il puisse pas se déplacer. Et là, s'il a perdu les résistances, non, pas encore. Putain, c'est chiant quand même. On est à 44 tours, hein. franchement. L'IA de ses invocations, je pense que c'est le pire. On peut, ne on peut pas faire pire, honnêtement. Allez, là, je pense qu'il va réussir à se faire... Euh... Il a réussi à se faire un petit peu perdre des résistances, ou pas Non, pas encore. On va attendre le prochain coup pour vous, vous, pouvoir mettre une punitive et le rendre indéplaçable. Allez, on va faire ça. Pour l'instant, je vais attendre. J'avais pas le dernier bastion qui était dispo. On va faire un petit coup de dernier bastion. Je vais juste tuer euh, peut-être cette invocation là parce qu'elle n'a plus beaucoup de points de vie. Non, allez, je vais faire une punitive avec dernier bastion. Et puis là, je vais aller me cacher bien loin. Et je pense que dans quelques secondes, voilà. Logiquement, là, il a perdu des résistances. Donc c'est bon, on peut enfin le tuer. Et c'est terminé. On a réussi en 20 minutes 17 du coup, 48 tours. Ça pourrait être intéressant de lancer un speedrun un petit peu sur, sur ce donjon en solitaire. Euh, ça par contre, si vous êtes chaud, moi je suis chaud également pour le faire, pour retenter avec le là et essayer de, de battre un record de temps en solitaire. Si vous avez des records, vous en commentaire, bah, n'hésitez pas à me le dire. Genre, ouais, j'ai réussi en 5 minutes, en 10 minutes, ça, ça peut être intéressant. Si vous avez apprécié le solotage et les explications pour bien réussir ce donjon, bah, likez la vidéo, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est toujours pas fait. Et puis en commentaire, toujours comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, ciao tout le monde.